Le cristal est du verre auquel on a rajouté du plomb. Donc, selon les marques que vous allez acheter, il va avoir plus ou moins une grande quantité de plomb à l'intérieur. Et le plomb, ce que ça fait, c'est que ça ajoute de la brillance au verre. Et pour les artisans qui taillent ces baies-là, ça va être plus facile pour eux de faire des belles coupes nettes. Ce qui est considéré comme étant la plus haute qualité de cristal, c'est la marque Swarovski qui est faite en Autriche. Dans cette marque-là, vous allez avoir jusqu'à 32% de plomb dans le verre, donc qui va amener beaucoup de brillance. Et pour les artisans qui coupent les billes, va faire en sorte que les coupes vont être plus nettes et donc que la réfraction de la lumière va être plus grande en entrant dans la bille de cristal. Donc, vous allez avoir toutes sortes de formes de billes dans le Swarovski et vous allez avoir aussi des reflets qui vont rajouter à cette brillance-là. Donc, ces reflets-là, on les appelle les reflets AB, pour aurore boréale. Ces reflets-là ont été élaborés par M. Swarovski avec le concours du designer Christian Lacroix. Et c'est un revêtement qui est à l'extérieur de la bille et va vraiment rajouter beaucoup de reflets et de lumière. Dans le reflet, vous allez avoir des notes de doré, de bleu, de rose, qui vont rajouter vraiment beaucoup de brillance à vos bijoux. Dans les autres billes Swarovski qui peuvent vous être offertes, bon, évidemment, il y a les billes usuelles comme la bille cubique. Vous avez des billes à plusieurs trous. Vous avez les billes Rivoli qui viennent s'insérer dans des formes de métal, donc que vous pouvez venir sertir. Vous avez des billes que vous pouvez venir coudre à plusieurs trous. Vous avez également, bon, des billes qu'on colle au tissu ou au cuir. Des chaînes différentes faites de maillons de cristal et dont une entre autres qui imite les chaînes de Pierre Durin, des billes de style Pandora et toutes sortes de pendentifs. Vous allez avoir aussi des billes qui imitent les perles. La base de cette bille-là est une bille de cristal sur laquelle on a mis un fini perlé très résistant. La gamme de cristaux Stellaris offre un excellent rapport qualité-prix. Pourquoi? Parce qu'elle est conçue au Canada et actuellement produite en Chine et exclusif à Club Big Plus. Et par rapport à Swarovski, vous allez en avoir trois fois plus pour le même prix. Donc, toujours dans Stellaris, vous avez plein de formes différentes que vous pouvez utiliser. Bicône, rond, facetté, cubique. Vous avez aussi les billes qui imitent les perles, dont la base est faite de coquillages sur lesquels on est venu mettre un enduit perlé pour imiter la perle. Donc, avec toutes ces gammes de cristaux-là et ces sortes de cristaux-là, vous pouvez vraiment créer toutes sortes de bijoux intéressants. Vous en avez quelques exemples en avant ici. Donc, vous pouvez utiliser le cristal seulement en petites touches dans un bijou ou l'utiliser vraiment en très grande quantité pour créer un effet très riche et spectaculaire.